Bonne nouvelle pour tout le monde qui chita koyo dans la cour Mexique, spécialement Tijuana et Reynosa. Ou même qui déjà Mexique ou bien qui déjà sous frontière Mexique, je suis capable de dire c'est une bonne nouvelle que vous pral tande là. Dans minute m'a parlé avec vous, jeudi samedi qui c'est 21 janvier 2023. Des trois organisations qui pourraient démarrer dans la cour Mexique sous frontière entre Mexique et les États-Unis. Trois organisations ça yo pourraient stable ou bien pourraient commencer travail dans objectif pour capable aider immigrants yo entre les États-Unis plus facile. Comment programme ça pourrait fonctionner? C'est Guillaume organisation yo qui pral travail sous format volontaire. Ça veut dire que yon ensemble des Américains, Américaines ou des gens qui dans l'église yo pral commencer capable prendre engagement pour aider yon moun qui sous frontière entre Mexique et les États-Unis. A vrai dire, au lieu d'a besoin yon moun qui te pour recevoir ou pour ba information tout moun nan, et bien yon Américain ou bien yon Américaine capable de paraître sous frontière Mexique dans une organisation sa yo côté capable dit li prend engagement pour lui capable supporter au moins 10 moun y a quitté l'entrée plus facile et si bibi one nous connaît que qui c'est nouveau programme anti programme ça qui était là déjà organisation de compte utiliser qu'il y a yo bay possibilité c'est ou même qui pour utiliser et bien dans moment m'a parlé avec vous là ou capable prendre un avocat li capable faire application pour dans CBP one yo relo au moins 4 à 5 jours. Ça va dépendre des situations, ça va dépendre de comment on vivre. Il y aurait le de 4 à 5 jours pour entrer et pour tout joindre programme ou bien document qui c'est I-94. Ça veut dire pour tout entrer légal. L'autre nouvelle côté pour vous jeudi samedi qui c'est 21 janvier 2023, gagner au moins 30 haïtiens qui bloquent Panama. Haïti ça bloqué Panama. Dans la question de faux visa, il était sorti en République Dominicaine. Eh bien, dans le check-in qui t'a fait, dans le vol qui était sorti en République Dominicaine pour être capable d'aller à Belize ou bien aller à Salvador, tu as gagné un monde qui t'a gagné un faux visa, comme ça, tu as gagné un monde qui t'a gagné un bon visa. Qui ça qui vient la cause? Dans le check-in qui a fait pour être capable d'éviter ou bien ouais, visa qui est bon avec visa qui est faux, visa, monde qui a un bon visa, il a perdu le vol. Avant vin aller, t'es supposé aller avec 10h50, mais 10h50 arrivé y aller, tout le monde sa yo, yo retourné yo République Dominicaine. Gen la dan ki bon visa, kap repren vol encore pour yo capable entrer Belize. Mes amis, pendant gen possibilité pour l'arrivée Mexique ou entre les États-Unis plus facile que j'en te auparavant, pour ça tout on nous éviter pour nous comment pour nous éviter faire faux documents. Comme ça, l'autre monde qui a un bon document capable d'entrer Belize et de Belize et entrer Mexique. Et l'autre nouvelle pour le monde qui est Brésil, depuis que vous avez pu prendre un visa transit Panama, avant à chercher, chercher des contacts pour le monde qui jouer autorisation Belize, Belize là, parce que vous n'avez pas demandé pour gagner autorisation Belize pour les